aujourd'hui, nous allons lire la 9e lettre du livre Ibn Akhal, les lettres de Rabbi Saddam Odesser. Avec l'aide de Dieu, Kaf Sivan, le 20 du mois de Sivan, Tachim Mkret, Tibéria. Et votre chendat libi, achoshek, betsame, lishtot, maïm, chaïm, nobim, mitukim, et od, amou, mok, amok, min, tsaïm. En l'honneur, donc, de mon bien-aimé, mon cher, qui désire et qui a soif de boire et les eaux de vie qui coulent, qui découlent, qui sont douces, très douces, amok, amok, qui sont profondes, mimtsaenu, qui sait qui va pouvoir les trouver. Ben, Adam, le dia, les choses, mais nous, il n'y a pas quelqu'un qui sait puiser de ces eaux-là. Shalom, Benoam Hashem, la paix et la douceur d'Hashem, Yizrach Alav, que Hashem lui va faire descendre sur lui toute cette paix, cette douceur. Le Orech Yamim, Amen, pour longtemps. Tunat Noam Panav Amabia Adinut Shel Ahavat Emet, donc son visage qui émane de son visage une douceur comme ça, un amour de la vérité, utmimut, et une sincérité, metsuya beomet libi, elle est écrite, elle est inscrite dans mon cœur, profondément, veomet le neged enai, et elle se trouve face à mes yeux, tamid, constamment. Veneni shokeach oto, et je ne l'oublie jamais. Vedavoni, lo zachti lichtov, lo zez manra, Je suis désolé que je n'ai pas pu l'écrire, ça fait déjà longtemps. Kiani chole vechalouche, koach lo alecha, car je suis malade et très faible, que Dieu t'en préserve. Ve'ata ineni mitames lechtov mash yazmin, Hashem yadi, et maintenant je vais m'efforcer de t'écrire ce que Hashem va me permettre. C'est-à-dire sous ma plume. Daki daika archa badorotenu ele. Sache que précisément dans ces générations-là, nimtsa or hadash, se trouve une lumière nouvelle. Aole alakol qui monte au-dessus de tout. Alakol shadaïl loaya baolam, une lumière qui ne s'est jamais trouvée dans le monde. Ameir lechol adam qui éclaire chaque homme. Becheshkat afelato, même dans sa grande obscurité, l'imso aliado petar latzet mi maasa, afin que cette personne elle puisse trouver une ouverture pour sortir de sa prison. Achosher vereshet avalim, c'est quoi la prison dans laquelle chacun se trouve? C'est un emprisonnement, c'est-à-dire c'est une sorte de. C'est comme un piège. C'est quoi les, on est comme un poisson qui est piégé dans le réchet des Avalim, comment on va traduire ça? Donc, on est emprisonné dans les vanités du monde. Où les Aguial et derrière Yeshara. Donc, cette lumière-là, elle va nous aider à sortir de ces emprisonnements dans lesquels on se trouve. On s'est habitué à toutes sortes de choses. Sont en vérité ce qu'appelle, ce que Shlomo HaMelech il a dit, Evel Avalim, Akol Evel, tout est vanité. Et comment on va sortir vraiment de toutes les vanités du monde? C'est précisément par la lumière du juste véritable, c'est lui qui va nous en sortir véritablement. Ikar Atuma Bazuama Wemunot Kosviot, essentiel de l'impureté. Et donc, d'où ça vient? Ça provient des Emunot Kosbiot, c'est eux-mêmes, c'est les foi mensongères, ou Kfirut, et les monuments, c'est-à-dire l'athéisme. Vezeika Galut, et c'est ça l'essentiel de l'exil. Venit Bakin, Venitnaïn, Alide Galut et Lokut, ils sont annulés, ils sont écrasés, Alide, grâce au dévoilement de la divinité. Shemamshir Hatzadik, qui c'est qui va nous dévoiler la grandeur de Dieu? C'est le juste, véritable. Aosek le Karev, Gam Arechokim, Hatzadik Haemet, qui va
son sujet, c'est de rapprocher même les gens qui sont très loin. Vanidachim et la Shemibar, il va rapprocher la Shemibar du Créateur. Il est désolé d'avoir Géoula et précisément grâce à cela viendra la délivrance. Yesh Manigim Shemikraim Beshem Rabbi. Il se trouve des dirigeants qui sont appelés au nom de Rabbi. Donc c'est comme des maîtres. Mais en vérité, mais eux-mêmes ils ne peuvent pas se diriger. Mikol Sheken Acherim, ils n'ont pas la force non plus de diriger les autres. Et malgré cela, ces gens-là, ils prennent la grandeur pour eux-mêmes. Et ces gens-là, ils cherchent la itnasut, ils cherchent des postes, les aniga olam, pour diriger le monde. Chacun devra veiller à ne pas leur donner d'importance. Aucune importance, aucun. Il ne faudra pas les appeler du nom de Rabbi, parce qu'ils ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Qui aime Afra Menam Trevim Kolka? Ces gens-là, ils ne sont pas tellement responsables. Pourquoi? Qui est-ce d'un Yetzera? Car ils ont un grand mauvais penchant. Yetzera Gadol, la Niga Olam, de diriger le monde. Achelwa Notnim Laem Tokev Vaoz, Benismachim Aldam, Sheyou Likhaim Beshem Rabbi, mais ceux-là qui leur donne ce poste-là d'être rabbi et qui leur donne cette force-là de pouvoir diriger, c'est eux qui vont devoir donner des comptes. Dès les gozrim, les garez, les israël, makom, aïchou. Et de ce fait, c'est ça qui entraîne qu'en Israël, les juifs, ils partent des endroits habités. Shinitiashvusham, Israël, Mikvar, de là où ils se trouvaient, où ils habitaient. Donc, c'est ça qui va faire la galoute, l'exil, que d'endroits habités, ils vont aller dans des endroits où jamais il n'y a personne qui habitait là-bas, il n'y avait pas de Yishou. Aval, Chefacham, Araoui, Ismicha, Nismar, Beshem, Rabbi. Mais lorsque le Chacham, qui est vraiment lui, digne d'être appelé Rabbi, il est Kadesh, Avir, Ufrinat, Avirat, Estrel. Et donc, quand lui, il va prendre ce poste-là, parce que lui, vraiment, il a cette possibilité de diriger. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'air, il va être purifié, il va être saint du niveau de la terre d'Israël. C'est-à-dire que même quand, dans l'endroit de la terre d'Israël, lorsque on va donner de la force à des dirigeants véritables, aux dirigeants véritables, pour l'instant, il parle d'un dirigeant. Alors, quand on va donner cette force à ce rabbi-là, alors on va pouvoir attirer la sainteté de la terre d'Israël, même en dehors de la terre d'Israël. À plus forte raison sur la terre d'Israël elle-même. Ben, le désénit à Kenakol, et grâce à cela, tout sera réparé. Et sans amitiot, l'inassem, l'ibibul, la finout, chelzea olam, des conseils véritables pour être sauvé du bilboul, de l'embrouillement et de la finout. Donc de la tortuosité de ce monde-ci, chez Maakem ou Balbel et Alev qui rend le cœur tortueux, ou mes Balbel et Alev, Bishiou, Tri Natar, Badorot, Alalou. On a besoin maintenant, dans ces générations-là, les Chapets, les Bakesh, les Sifré Rabbe Mouzal, de chercher. C'est de demander dans le livre de Rabbeinu HaKadosh, Betzel Tamidé Tamidav, et chez ses élèves, et chez les élèves de ses élèves. Ashreinu, heureux sommes-nous, Shanu Zochim Ledam Yidbal Amiflaot, qu'on connaît le maître des merveilles, Asher Kol Dvarav Drachav Atmimim Vamukim, Sheishir Lanu Yerusha Tova. On sait donc le maître des merveilles, Asher Kol Dvarav, que ses paroles et ses chemins qui sont sincères, qui sont droits, Vamukim, qui sont profonds, Shishir Lanu Yerusha Tova, qui nous a laissé donc un bon héritage. Kulam Niflaim, tous ces chemins-là, ils sont merveilleux. Pile Plaot, Em Cheker, Adem Cheker, jusqu'à l'infini. Les merveilles des merveilles jusqu'à l'infini. Le Nafshi Yodad, mon âme, elle sait, mais beaucoup.
Shem bekol haolam ish yeda v'yargish niflot, qu'il ne se trouve pas dans le monde quelqu'un qui va ressentir et qui connaît les merveilles de ces merveilles-là. Kasher zachinu alachnu benenu, comme nous on l'a mérité de nos yeux. Asher ilei ape ledaber v'arayon l'achil otsem haniflaot asher. עשה עמנו אדון הנפלאות, לזכות לקבל אורות עצומות ונוראות כאלה מאור האורות וכו' וכו'. Donc, Hashem nous atteste cette bonté-là de pouvoir nous mériter de voir ces merveilles-là, qui sont des lumières très profondes, très grandes et redoutables. אי אפשר להיות לחיות איזה חיות בעולם, כי אם על פי דברי קודשו של רבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה. On ne peut mériter de vivre une vérité, une vitalité qui imagine seulement ce qui s'appelle une vitalité vraie, que précisément grâce à la bouche sainte, des paroles saines de Rabbeinu HaKadosh. Asher rak mimon nimshach b'chinat amilchad amtik mirutat de'amak. Que seulement grâce à lui, à Rabbeinu HaKadosh, est attiré ce qui s'appelle Minchal, le sel qui adoucit l'amertume du monde. C'est du langage du Zohar HaKadosh. Le Zohar dit, il m'a dit Minchal, si ce n'était le sel, on ne pourrait pas supporter l'amertume du monde. C'est quoi le sel? C'est le juste et véritable. C'est-à-dire que par le fait qu'on va s'empêcher du juste et véritable, toute notre amertume, elle va être annulée. On va ressentir une bonne vie. Ashreinu shanu zochim al kol panim leda mechiyutenu. Heureux sommes-nous que au moins on sait qui c'est qui est notre vitalité, notre vie. Mi mechaye otanu, qui c'est qui nous donne de la vie? Vet kol haolamot kulam, et tous les mondes. Ma sherov haolam enam zochim laze, est-ce que la plupart du monde ils méritent pas cela? Chazal lemas, renforce-toi. Vetagil vetasis mishuato, et renforce-toi et réjouis-toi dans le secret. Le secours d'Hachem, Akdoshas, son secours saint. Hachem Zachimou Lishov, Maïm Bessasson, Maïna Yeshua, qu'on a mérité de puiser les eaux dans la joie, Maïna Yeshua, des sources du secours. Hachem Adaïn, l'homme du secours, Memav, Akdoshim, que encore ces eaux, elles n'ont pas cessé. Donc, c'est des eaux qui sont constantes. Qu'on puise de ces eaux constamment, c'est des eaux qui ne dessèchent jamais. Kacher anu roim bechush et gam atan ovim dvarav ki ma'en anu vea, comme on voit aujourd'hui aussi, que ces paroles, les paroles de Rabbeinu, c'est comme un torrent qui jaillit et qui ne cesse. C'est une source qui est jaillissante constamment. Emcher yavo, la suite viendra, l'ishwat Hashem avec le secours d'Hachem, et de Ishat Shalom, Be'ava Temet, en demandant la paix, et je lui demande la paix, et Be'ava Temet, et l'amour de la vérité, Israël doit redescendre.